Bon les amis, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors du coup, ça va être un petit peu particulier aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu ce que je fais aujourd'hui et tout. Parce que là, j'aurai pas le temps trop de cuisiner, j'aurai tout ça. Alors je vais vous montrer. Alors du coup, je vous présente Titi. Il a 5 mois à peu près. Ça fait 2 mois à peu près que je l'ai et tout ça. Comme tous les chatons, il a un petit peu de puce, on va dire, et tout ça, voilà. Et le problème... Attendez. Alors, ne me jugez pas, c'est... alors, ça, c'est Capucine. Elle est allergique aux puces. Alors, du coup, vous voyez, elle est en train de s'arracher tous ses poils-là. Parce que, du coup, elle fait de l'allergie. Alors, ce matin, j'ai tout enlevé dans ma chambre. J'ai tout aspiré et tout. Là, j'ai lavé déjà le drap et tout. Il est en train de bien dormir, le titi. J'ai en train de tout désinfecter. Vous voyez, là, tout est fait pour l'instant, ici. Du coup, j'ai aussi lavé mes couettes, mon drap housse. J'ai enlevé tout mon canapé, voilà, voilà, voilà. Alors, comme vous l'entendez, il y a la machine aussi qui n'arrête pas de tourner depuis 6h30 du matin. Voilà, je vais vous présenter ce que je mets du coup et tout ça. C'est Maman Économe qui m'a recommandé ces produits. Alors du coup je vaporise, alors là j'en ai vaporisé sur les matelas de mon, parce que c'est un canapé lit, du coup mon canapé, du coup j'en ai mis sur le matelas de mon canapé lit, le matelas recto verso, pareil pour le canapé de mon lit, voilà. J'ai lavé les deux chats avec ce shampoing antiparasitaire et tout ça. Et si c'est pas assez, du coup, j'ai aussi spray antiparasitaire et tout. Je ne voulais pas en mettre sur Capucine et tout, parce que du coup, comme elle s'arrache et tout ça, vous voyez, c'est assez rouge et tout. Je veux pas la traumatiser. J'ai pas envie non plus de l'emmener chez le véto, même si je pouvais. Mais parce que du coup, elle le fait aussi, elle est allergique à tout qu'est-ce qui est, pollen et tout ça. Mais on est en hiver, le problème c'est ça, on est en hiver, il n'y a pas de pollen. Normalement, elle ne me fait jamais ça en hiver. Et du coup, là, elle me le fait. Bon, je sais pourquoi, parce qu'elle est allergique aux puces. Et du coup, lui, il en a. Alors, du coup, là, je lui ai déjà fait, le peigne, attendez, je vais vous présenter le peigne. Alors, du coup, je lui ai bien brossé avec ce peigne-là. Franchement, il est top, hein, le peigne-là, genre et tout ça. Si votre chat a des puces, c'est génial. Ça se met entre les dents. Elle ne peut plus s'échapper, voilà. Mais bon. Bon, du coup, le problème, c'est que il y a les œufs. Je lui avais mis une... comment ça s'appelle ça? Frontline ou un truc comme ça, voilà. Dès qu'il en avait eu, genre, et tout ça. Mais je pense que, de toute façon, il avait des œufs, sûrement. Et ça a recommencé les puces. C'est un cercle vicieux. Alors, du coup, je me suis bien armée, vous voyez, et tout ça. Et là, j'en train de tout laver, tout désinfecter. Je vais aspirer aussi le sol parce que... Là, par exemple, je viens d'en mettre sur le canapé le matelas du canapé. Et il faut attendre une demi-heure pour que ça agisse et tout. Et une heure, il faut aérer aussi. Voilà. Alors, j'en train de faire ça. C'est super. J'adore. Voilà. Je vous reprends après. Bon, ça y est, les amis, j'ai fini de laver et de aspirer plutôt et de laver tout l'appartement.
Je suis crevée, je vais aller me laver aussi. Du coup, j'arrête là la vidéo. Non, je vais vous montrer un tout petit peu. Bon, après, c'est encore un tout petit peu le bordel, mais de toute façon, là, j'ai autre chose à penser. J'ai des trucs à faire, vous verrez bien. Voilà. Du coup, j'ai encore tout ça à laver. Là, j'ai une machine qui doit être pendue et tout ça doit être aussi lavé. Voilà. Le titi, il est toujours dans la chambre. Je pense que je l'ai traumatisé, le pauvre. Non, ça va. Il va vite reprendre et tout ça. Et ma pupuse, la capucine, est là. Voilà. J'espère que ça ira. Voilà. Allez, souhaitez-moi bon courage dans les commentaires. Je finis là la vidéo. Demain, je vous propose plutôt un live, je pense, et tout ça. Préparer peut-être Noël ensemble, si vous voulez, et tout. Par contre, je ne sais pas à quelle heure ce serait. Je ne sais pas. Voilà. De toute façon, suivez-moi sur les réseaux. Je pense qu'au pire des cas, je mettrai une story sur Instagram. Voilà, je vous dis à demain pour ceux-là qui seront là. Ou sinon, à plus tard. Et puis, ouais, je vais mettre aussi un post dans l'onglet communauté et tout. Si vous avez des questions, profitez-en, genre et tout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, au revoir. À demain. Salut!